Salut, on se retrouve encore une fois dans la forêt sur mon spot de test et cette fois on va essayer de comparer un petit peu les antennes pour le Kadix Vista. Donc on va comparer l'antenne de base, celle qui est fournie avec. Ensuite j'ai deux matchsticks de chez TrueRC, une longue et une courte. Donc je vais tester les deux histoire de voir si le fait que l'antenne dépasse plus du drone ça améliore la réception ou pas. Et ensuite j'ai les dernières Blaze de chez TrueRC qui est monté dessus. Donc voilà, je vais essayer de comparer un petit peu tout ça pour voir si je vois une différence au niveau de la réception. Ici on retrouve la même représentation que celle de mes précédentes vidéos où je comparais les différents patchs pour le masque DJI. Je vous invite à les regarder en suivant le lien en haut à droite. Donc ici on a en haut à gauche les TrueRC Blaze, à droite l'antenne fournie avec le Vista et en bas les deux matchsticks, la courte à gauche et la longue à droite. Les 4 vols ont suivi le même chemin, donc qui se retrouve en rouge sur la top view au centre. Le carré rouge c'est la position du drone qui correspond à peu près à celle qu'on voit à l'image. Et ensuite le triangle vert c'est l'orientation du patch et l'endroit où je me trouve. Donc pour vous voyez un petit peu la densité d'arbres entre le drone et moi. Sur les 4 graphes qui correspondent aux antennes, on retrouve l'évolution du bitrate et de la latence au cours du temps. Donc au final, si on compare ces 4 graphes, on se rend compte qu'il y a assez peu de différence. La Blaze et la Vista semblent avoir une latence plus stable que les matchsticks. Par contre, au niveau du bitrate, on note une très légère amélioration de la réception avec les antennes TrueRC et plus particulièrement les matchsticks. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas choisi le meilleur jour pour tourner cette vidéo. Il faisait bien froid, il y avait pas mal de vent. Mais je suis bien content de pouvoir vous présenter les résultats de cette expérimentation. Si vous avez d'autres idées de comparatifs, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Et vous savez comment ça marche sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Merci, à bientôt !